Et aujourd'hui, eh bien, notre documentaire du mardi nous rappelle ce qu'a été au tout début des années 90, il y a 20 ans, l'affaire Boudarel, du nom d'un professeur d'université spécialisé dans l'histoire du Vietnam, accusé en 1991 d'avoir été commissaire politique d'un camp Viet Minh pendant la guerre d'Indochine. Une accusation sur fond de chute du mur de Berlin, de procès pour crimes contre l'humanité. Un documentaire signé Séverine Nickel et Renaud Dalmar, avec les témoignages de Pierre Brocheux et de Daniel Emery, de François Godemand, du général Guy Simon, de Vladislav Sovansky et du lieutenant-colonel Pierre-Alban Thomas. Bonjour. Georges Boudarel, à l'abri de la justice, l'ancien commissaire politique du Viet Minh bénéficiera de l'amnistie, ainsi en a décidé la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Les invités de ce 13-14, Hubert Curien, ministre de la Recherche et de la Technologie. Boudarel devant l'histoire, l'inventaire impossible. Séverine Nickel, Renaud Dalmar. Pourquoi je suis intervenu dans l'affaire Boudarel? Ça, c'est quelque chose, ça. C'est Boudarel? C'est lui qui me l'avait donné, ça. Hein? À l'initiative de Chrétienté Solidarité, procès international des crimes contre l'humanité des régimes communistes. Ouais. Et on voit une illustration avec le profil de Boudarel. Le profil de Boudarel et puis les têtes de mort dont il est responsable aux yeux de ces gens-là. Et puis... Il était communiste, hein. Ne l'oublions pas, la faucille de marteau. Ensanglanté. Mmh. Palais de la Mutualité, 9 novembre 1997. Donc ça, c'était une manifestation de l'extrême droite. Oui. Ça, c'était la fin de l'histoire, déjà, 1997, parce que tout avait commencé en 91. Oui, en 91. Georges Boudarel était-il un tortionnaire au service du Viet Minh pendant la guerre d'Indochine? Démasqué la semaine dernière par l'ancien ministre Jean-Jacques Beuclair, Georges Boudarel, qui est maintenant maître assistant à l'université de Jussieu, ne regrette rien de ses choix politiques de l'époque. Il reconnaît avoir été commissaire politique Viet Minh au camp de prisonniers 113, mais il affirme n'avoir jamais torturé qui que ce soit. Au début de 1991, on découvre le destin d'exception de cet inconnu. Jeune professeur communiste, passé du lycée de Saïgon à la haute région du Tonkin pour faire la rééducation politique de soldats prisonniers qui mouraient de faim et de maladie. On apprend aussi qu'après son départ du Vietnam, il a vécu 2 ans à Prague, protégé par le Parti communiste tchèque, et qu'il est revenu en France après l'amnistie votée en 1966. Très vite, les témoignages à charge déferlent, les réactions s'emballent. Du Parti socialiste à l'extrême droite, on condamne celui que le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Lionel Jospin, qualifie de capot. L'affaire Boudarel s'étale dans la presse pendant des semaines au gré de ses rebondissements. Georges Boudarel se défend, entouré de quelques soutiens. Mais entre les justifications des anticolonialistes et les accusations des militaires, qui dit le vrai? La confrontation va prendre l'allure d'un psychodrame, alors que dans la société, l'heure est à la mémoire et à l'inventaire du passé. Tout a commencé au Sénat un 13 février. Il y avait beaucoup de monde, probablement 300 ou 400 personnes. Daniel Emery, historien de l'Indochine. Un colloque qui portait sur l'actualité du Vietnam. Voilà. Les organisateurs avaient invité Georges Boudarel qui a présenté un exposé sur un de ses thèmes favoris, la réconciliation nationale au Vietnam dans le cadre de la politique du Doi Mui en 1986 par le Parti communiste vietnamien. Moi j'étais debout au fond, il n'y avait plus de place assise, et puis brusquement, pendant l'exposé de Boudarel ou à la fin de l'exposé, je ne me souviens plus exactement, une interpellation subite de la salle. Quelqu'un s'est levé, Jean-Jacques Beuclair, il s'est présenté et il a interpellé Boudarel. Le professeur Fournier a dit « La parole est au professeur Boudarel ». Général Guy Simon, président de l'Association nationale des anciens d'Indochine. Le professeur Boudarel n'a pas eu le temps d'ouvrir la bouche que Jean-Jacques Beuclair levait le bras au pied de la tribune face au public pour dire qu'il avait fait toutes sortes de métiers dans sa vie, qu'il avait été officier, qu'il avait été industriel, qu'il avait été député, qu'il avait été ministre, mais que le moment le plus poignant de son existence était son séjour en camp de prisonniers du Viet Minh. Jean-Jacques Beuclair était venu soutenu
par un groupe d'anciens prisonniers français en Indochine. À l'époque, il n'en restait plus beaucoup. Je crois qu'il y en avait encore à peu près 2000 de vivants. Beauclerc dit, mon camarade, le colonel Midjaville, est mort dans mes bras en me demandant de retrouver le directeur du camp de prisonniers, qui était un Français qui plus est, et qui s'appelait Georges Boudarel. À ce moment-là, Beauclerc se tourne vers la tribune, lève les bras en l'air et dit « Monsieur le professeur Boudarel, est-ce vous qui étiez commissaire politique du camp 122 ?» Il a répondu « Monsieur Beauclerc, vous faites l'erreur, ça n'est pas 122, c'est 113. » C'était l'aveu complet. Boudarel a été saisi de stupeur, la salle aussi. Car il lui a reproché, il lui a dit « Vous avez du sang sur les mains ». Cette conférence s'adressait à des étudiants et des industriels. Les étudiants et les industriels en sont restés la bouche ouverte, atterrés. Il y a eu un silence épouvantable à ce moment-là. Et Boudarel a répondu, a fait une réponse très déviée, à mon avis, par rapport à ce qui lui était reproché. Il a répondu sur les droits à pension des anciens prisonniers de guerre français en Indochine. Tout le monde est sorti. Boudarel, complètement décomposé, qui s'accrochait à deux mains à la rampe d'un petit escalier d'une 5 ou 6 marches. Il n'arrivait plus à monter. Ce bonhomme, il était quasiment mort. Puis fin de manœuvre. J'ai pas vraiment réalisé ce qu'on lui reprochait, puisqu'il y a eu un brouhaha, des huées, des choses comme ça. C'était très violent. Et donc notre première réaction était de dire ben, il va falloir protester, soutenir Boudarel. À l'université de Jussieu Paris 7, Georges Boudarel, sexagénaire grisonnant, ressemble à un prof d'histoire bien tranquille. Pourtant, il a été démasqué pendant la guerre d'Indochine. C'est bien lui qui avait déserté, rejoint le Viet Minh et qui avait servi, ou plutôt sévi, comme commissaire politique contre les soldats français dans un camp de prisonniers. Patrice Bertin, Journal de France Inter, du 13 mars 1991. Les anciens de l'Indo crient au scandale. Le secrétaire d'État aux anciens combattants, André Méric, leur donne raison et qualifie Boudarel de traître. Dans les jours qui suivent, et à partir d'un article de Jean-Jacques Beauclerc dans le Figaro du 19 février, l'affaire fait couler beaucoup d'encre, c'est peu dire. Nous sommes face à un dossier de presse que vous avez conservé. Daniel Emery, quelle a été l'ampleur des réactions de la presse ? Considérable, me semble-t-il. Le dossier que j'ai conservé comporte 250 pages d'articles qui ont été écrits sur l'affaire Boudarel dans les 2 mois qui suivent. Quelques titres, le Figaro du 15 mars, grand titre, un garde-chiourme à l'université. On met en cause aussi l'université, spécialement Paris 7, qui est connue comme une université classée, entre guillemets, à gauche. Alors le quotidien de Paris du 14 mars, alors avec un article qui s'intitule « Une canaille », article de Stéphane Denis, un article qui s'intitule « Boudarel, l'étrange cursus d'un tortionnaire », il y a un autre article qui s'intitule « Mais qui t'a donc fait prof ?» dans le Nouvel Observateur du 13 mars, revenant du camp 113, dans Minute, 6-12 mars, le boucher du camp 113, Boudarel comme Touvier, et un deuxième article, Georges Boudarel, prof de fac et bourreau communiste. Paris Match, du 4 avril 91, Jean Lartégui retrouve le colonel Weinberger, rescapé, qui déclare les nazis, au moins, n'exigez pas que nous adhérions à leur système. Voilà, précisément ce soir, une manifestation organisée par un certain nombre de mouvements d'extrême droite a eu lieu devant la faculté des sciences à Jussieu, là où enseigne Georges Boudarel. Et à la fin de cette manifestation, les incidents ont opposé des skinheads à des militants du mouvement royaliste Action Française. Un photographe de l'agence Gamma a été blessé il y a un peu plus Pierre d'une Brocheux, heure. Pierre Brocheux, vous étiez avec vous Daniel Emery, l'un des plus proches collègues de Georges Boudarel à l'université Paris 7, Jussieu. Au moment où cette affaire a éclaté, quel effet a produit la révélation du passé de Georges Boudarel sur les milieux universitaires que vous fréquentiez ? Ah, sur les milieux universitaires, oui, notre milieu,
et plus précisément même localement le milieu de mon UFR, l'unité d'enseignement et de recherche, plutôt cassé à gauche et même à l'extrême gauche. Donc un anticolonialiste, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, ça vraiment, ça a été un coup de tonnerre pour tout le monde. Même pour moi, parce qu'enfin, l'accusation d'avoir été commissaire politique, ce qui est faux, dans un camp de prisonniers, et d'ailleurs, surtout, d'avoir fait torturer des prisonniers, d'avoir fait mourir des prisonniers. Ça, c'est ce qui a moi le plus frappé. Parce que moi, je savais qu'il avait été propagandiste dans un camp de prisonniers. Il me l'avait dit très tôt. C'est pas très tôt. Donc, moi, ça ne m'a pas surpris. Mais c'est l'accusation qui a été très dure et que, sur laquelle qui m'a même provoqué le doute chez moi, j'avoue. Parce qu'on commence à voir comment un homme s'est comporté dans le passé. Hein. Sur ce plateau, les hommes qui se trouvent à ma gauche et à ma droite n'ont pas croisé leur regard. Le droit de savoir sur TF1. Se présente l'un l'autre. Georges Boudarel, on vous a présenté en 1953, donc vous étiez dans le camp 113. À votre gauche, à votre droite, qui avez-vous amené? Monsieur Jean Robert, qui était également prisonnier dans ce camp et qui m'a téléphoné quand il a su qu'il arrivait, l'affaire Boudarel. Tout le groupe des économistes de mon UFR, ils n'ont pas signé la pétition de soutien, enfin, ou de solidarité, enfin, de soutien, exactement à Boudarel, et ils ont même dit, nous désolidarisons complètement de ce type-là, etc. Et ce groupe était maoïste, n'est-ce pas? Il y a seulement 2 ou 3 ans avant, ils étaient maoïstes. Alors, c'était assez surprenant. Vous voyez ? Et puis, parmi les historiens et autres, il y a des gens qui ne voyaient plus Boudarel. Même quand ils le croisaient dans le couloir, bah, ils regardaient ailleurs. Jean-Jacques Beuclerc, on sait que vous avez donc reconnu Georges Boudarel le 13 février dernier au Sénat. Vous avez voulu également venir assister d'une personne que vous allez maintenant nous présenter. Oui, alors Sobanski était une des victimes de Boudarel au camp 113. Alors, il apportera des témoignages vécus. Quelle honte de me trouver sur ce plateau ce soir. J'ai l'impression d'être devant un parterre de sang. Je vous assure que j'irai jusqu'au bout. Je ne cherche rien. Je cherche simplement qu'on nous donne une justice, qu'on nous donne une justice valable, parce que j'estime que c'était ignoble. Hein, je ne sais pas comment on peut décrire M. Boudarel. Ce n'est pas un homme. Je ne sais pas comment on peut le qualifier. C'est du sang partout. Il en a partout. Je vois rouge. 30 ans, 37 ans de cauchemar, je vis. Et je ne suis pas le seul. Boudarel, qui nous a tués, qui a joué, qui a violé nos consciences. C'est lui qu'il faut tuer. Et à l'heure actuelle, il est au summum d'un endroit où il éduque nos enfants pour faire d'autres Boudarel. Non, monsieur. Je vous assure, j'en ai assez, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le regarder, c'est pas possible. Le Viet Minh a libéré 4744 prisonniers pendant la guerre, unilatéralement. Si on lui avait tendu la moindre perche, on aurait pu obtenir l'échange de tous les prisonniers. Georges Boudarel, je crois qu'on n'est pas là pour juger le Viet Minh, on n'est pas là pour juger ni le colonialisme, ni votre insoumission, ni quoi que ce soit. On est là juste pour juger votre responsabilité de Français face à d'autres Français. Il y a un autre prisonnier qui n'est pas là, qui s'appelle Romain Alessio, qui a dit « Jamais un Vietnamien ne s'est comporté aussi bassement que M. Boudarel. » Je me juge comme un traître, j'ai trahi la colonisation, j'estime n'avoir pas trahi la France. Vous avez tué M. Boudarel, vous avez tué, c'est la honte. C'est affreux. Monsieur, je voudrais vous dire deux mots. Je voudrais tout simplement prendre la parole. D'abord, monsieur Sobanski, est-ce que vous confirmez qu'il n'a jamais ni battu ni touché? Mais monsieur, il a violé nos consciences. Il a violé nos consciences. Il nous a violé. Vladislas Sobanski, vous faites partie de ces soldats qui ont été prisonniers du Viet Minh. Vous avez été détenu dans le camp 113. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris que Georges Boudarel avait été mis publiquement en accusation par Jean-Jacques Beuclerc? Alors, quand on a appris ça, il est évident que c'était un coup de tonnerre pour les prisonniers, 40 ans après, et que voilà, subitement, il se pointe au Sénat, après ce qu'il a fait, après les sévices, les tortures abjectes qu'il nous a fait subir. Jamais personne n'aurait pu croire
qu'il oserait revenir en France. Georges Boudarel, pour les 8 premiers mois de 1953, dans le camp 113, 340 prisonniers, 278 morts. Comment vous, Français, pouviez-vous supporter le décès de gens qui ne partageaient peut-être pas vos convictions politiques, mais qui étaient vos compatriotes? Je conteste les chiffres. Je sais ce qu'a été mon attitude et moi, personnellement, je garde un souvenir atroce de toute cette période de ma vie. Il reste que il faut situer ça dans le cadre de l'époque et ce qui était ma situation à moi. Que pouvais-je faire? Revenir du côté français, etc. Il n'y a pas eu un instant où vous avez eu envie de partir? Non. Moi, j'ai transmis des rapports. Mais ça sert à rien, monsieur Boudarel. J'étais en partie prisonnier aussi de l'idéologie. J'étais dans la situation d'un militaire français qui fait des opérations de ratissage et qui démissionnera peut-être donc 3 ans après. Il reste qu'on juge 40 ans après quelque chose. Aujourd'hui, moi, je ne suis plus communiste. À l'époque, monsieur Beauclerc défendait certainement la colonisation et le colonialisme. Aujourd'hui, c'est condamné par les Nations Unies. Je pense qu'il ne serait plus. On a été dans ce cadre qui était le cadre de la guerre, pas froide, mais au Vietnam, d'une guerre chaude. Et cette guerre chaude, je la connais pour avoir été du côté des Vietnamiens dans les circonstances dures. S'il vous plaît, je vous ai laissé parler. Je n'ai pas encore laissé parler Jean-Jacques Beauclerc. Je voudrais que vous racontiez cette promesse. Alors là, on a affaire au commissaire politique typique. Il est en train de noyer le poisson. Il nous abreuve de détails, etc. La vérité, c'est que cet homme, pendant un an, a été commissaire politique adjoint, second du camp. Même second, dans un camp où il y avait entre 3 et 8 décès par jour. Et il a supporté ça pendant un an, mais il n'y a même pas besoin de donner de détails. C'est monstrueux ce que vous avez fait, Boudarel, c'est monstrueux. Les téléspectateurs jugeront, vous êtes un véritable criminel, et que vous osiez vous emberlificoter dans des détails. Jacques Beauclerc était prisonnier, lui, pendant 4 années. Vladislas Sobanski. Son intention, évidemment, était claire. La justice. C'était pas notre envie. Nous avions décidé une réaction assez particulière, parce que la justice, je ne vous dirai rien sur la justice, mais on sait comment elle fonctionne. Nous avions décidé, entre les gens qui étaient les plus touchés, de réagir différemment. D'attraper Boudin, on savait où il habitait. Et on avait décidé d'acheter 20 ou 30 litres de sang en Rungis, de le badigeonner de sang, de le ficeler et de le promener dans Paris pour que les gens voient l'indignité. C'était une action absolument particulière. Tandis que là, on l'a donné à la justice. Beauclerc a dit non, il faut mettre à la justice, on va prendre un avocat et tout. On a accepté, mais le résultat, c'est celui de 17 années de procédure, alors que chacun savait qu'il y avait une loi d'amnistie de juin 66 qui concernait l'insurrection vietnamienne, dans laquelle on savait qu'il y aurait eu un obstacle pour la procédure judiciaire. Alors, ça donc c'est 15 avril, 26 avril. 3 avril aussi, hein. Pierre Alban Thomas. Donc vous avez écrit à Georges Boudard. Oui, c'est à le lui. Le 7 mais... avril 1991. Oui, c'est ça. Devant les accusations dont vous êtes l'objet, je vous apporte le soutien d'un ancien combattant d'Indochine et vous donne les raisons de cette prise de position. Comme vous, avec l'enthousiasme de mes 20 ans, j'ai cru au communisme, puis devant le dévoiement qu'en ont fait ces leaders devenus des despotes, j'ai éprouvé une amertume comparable à celle que peut ressentir un mari trompé. Ça vous replonge dans l'atmosphère de l'époque, Pierre Alban Thomas. Comment avez-vous décidé d'intervenir dans l'affaire Boudarel? Bien parce que j'ai découvert un jour, en regardant la télévision, Beauclerc, l'ancien ministre des anciens combattants, qui vraiment avait une position envers Boudarel qui m'a
absolument rendu fou furieux, quoi, d'entendre qu'on pouvait le mettre aussi bas. Et alors que moi, j'aurais été à sa place, j'aurais certainement agi comme lui. Vous avez pensé que vous auriez pu vous trouver à sa place, bien partageant le même idéal? Oui, puisque j'étais instituteur avant d'être militaire. Donc j'aurais très bien pu aller là-bas comme lui pour enseigner. Mais la résistance ayant fait de moi un militaire, officier de plus, ça m'était difficile d'avoir une position autre que celle d'un militaire qui a quand même une parole. Hein, et je ne pouvais pas faire comme lui, bien que ayant compris sa position à lui. Si j'avais été en Indochine, comme simple enseignant, ayant eu des élèves qui voulaient l'indépendance de leur pays, leur ayant appris que la Révolution française avait libéré la France de l'Ancien Régime, qu'elle avait institué la liberté, l'égalité, fraternité, etc. Boudarel, c'est ce qu'il enseignait à ses élèves. Et il était pour moi impensable qu'il aille combattre contre ces gens-là, qu'il avait eu comme élève et qu'il avait pris en amitié. Ancien militaire, vous n'avez pas été troublé par les témoignages des soldats détenus au camp 113 qui racontent la mort de leurs camarades, qui racontent les conditions physiques et morales terribles dans lesquelles ils ont été détenus. J'ai très bien compati à leur douleur, à ces gens, et je me suis dit que j'aurais très bien pu être à leur place. Et j'aurais eu vraisemblablement, à l'égard de Boudarel, une attitude plus réservée que celle que j'ai aujourd'hui. Parce que le fait de vouloir endoctriner, c'était quelque chose qui m'a supporté un peu. Bien que comprenant parfaitement sa position, je ne la partageais pas à 100%. Gérald Bantoma, vous avez donc décidé de vous engager pour le soutien de Georges Boudarel. Comment s'est organisé ce soutien ou cette défense? Eh bien, il y avait d'autres personnes qui le soutenaient. Il y avait Laurent Schwartz, il y avait Pierre Vidal-Naquet, il y avait Emery et puis un certain nombre d'autres. Et ils m'ont dit, mais ce serait bien, on va faire une réunion chez Laurent Schwartz, ce serait bien que vous veniez avec nous. Alors j'y suis allé, et là je les ai tous rencontrés, et j'ai pris la parole à mon tour, comme les autres, et on a décidé de faire ce qu'on pouvait pour le défendre. L'université protège ses pairs, une quarantaine d'intellectuels français et d'universitaires viennent de signer une pétition de soutien à Boudarel. Ils Journal de France Inter, 13 mars 1991. Il est victime, disent-ils. L'un de ses signataires, Maurice Nadeau, l'explique à Isabelle Pasquier. J'ai très signé parce que c'est un ami. C'est un homme que je connais et que j'apprécie, qui est un collaborateur du journal, un spécialiste des questions d'Extrême-Orient et qui a eu une attitude courageuse à une époque où il fallait être courageux. C'est-à-dire une époque de colonialisme exacerbé. Et on sait ce que ça a donné ensuite, non seulement en Indochine pour les Américains, mais même en Algérie pour nous. Et il a été un de ceux qui ont vu clair à cette époque et qui a mis ses actes en conformité avec ses paroles. Que vous essayez de parler de la guerre d'Indochine, ça c'est votre problème, c'est un autre sujet. Mais Boudarel est indéfendable et vous avez tort de prendre sa défense. Ce n'est pas un autre sujet, je l'ai défendu dans des limites bien précises. Réplique, l'émission d'Alain Finkielkraut sur France Culture, 30 mars 1991. J'ai précisé de la façon la plus catégorique, et dans Le Monde et dans Politis, que je ne défends pas sa présence au camp 113, que je trouve qu'il a été pris là dans une logique épouvantable, qu'il qualifie lui-même de kafkaïenne. Que cette affaire soit une horreur, c'est évident. Mais c'est une horreur qui s'insère dans un ensemble qui était horrible. Comment croyez-vous qu'étaient traités les prisonniers vietnamiens de l'armée française et qui les surveillait? Est-ce que vous oserez me dire que ce n'étaient pas d'autres Vietnamiens qui étaient chargés de les surveiller? L'historien Jean Lacouture.
Il est le résultat d'une certaine guerre terrible où des cruautés de part et d'autre se sont échangées. L'amnistie générale a été prononcée. Je suis extrêmement surpris qu'on s'acharne sur un personnage qui, depuis, contrairement à beaucoup d'autres qui restent fiers de leurs exploits répressifs en Algérie ou en Indochine, par exemple, lui s'est totalement amendé. Il est devenu un universitaire valeureux, extrêmement utile à la connaissance du Vietnam, de l'Asie, du bouddhisme, et il s'est même voué très précisément à la cause de l'opposition vietnamienne, de la recherche d'une démocratie au Vietnam, de la fin du stalinisme vietnamien. Je pense que dans ces conditions-là, quand une vie a changé de sens à ce point-là, je pense qu'il faut essayer de s'intéresser plutôt au sens après-transformation qu'au sens avant. Ah ben ça, c'est le texte de... De la Nouvelle République, que vous avez publié dans la Nouvelle République. Oui, oui, ça c'était mon envoi, puis eux, ils l'ont dactylographié. Pierre Alban Thomas. Sait-on aussi que le nombre de morts vietnamiens dans les camps de prisonniers de l'armée française fut proportionnellement aussi élevé que celui de Français dans les camps du Viet Minh? Les premiers en raison des exécutions sommaires, les seconds en raison de l'absence de médicaments. Lire à ce sujet le rapport du général de Beaufort. Quant au fond du problème, que d'officiers, dont Bijard, moi je l'ai entendu, avouèrent si j'avais été vietnamien, j'aurais été Viet Minh. Ça, je l'ai entendu à la popote des officiers d'El Milia dire ça. Alors là, je l'ai approuvé, hein, chaudement. Reconnaissant ainsi implicitement la légitimité de la lutte des peuples colonisés pour leur indépendance. Ce que vous avez essayé de faire passer comme idée, Pierre Alban Thomas, c'est qu'il fallait mettre en balance les crimes qu'on reprochait à Georges Boudarel avec ceux de l'armée française, ceux que l'armée française avait pu commettre en Indochine et en Algérie. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas que les choses soient unilatérales, hein. Il faut qu'on mette en évidence les faits des deux camps. Hein. Dans les camps français de prisonniers Viet Minh, c'était pareil. Le Viet Minh avait au moins... pour lui, la bonne conscience de quelqu'un qui se bat pour une juste cause, alors que nous, nous nous battions pour une mauvaise cause. Et ça, ça changeait tout, même si nous avions les uns et les autres à nous reprocher des faits qui sont en dehors des conventions de Genève. Professeur Boudarel, avez-vous des regrets? Tout dépend, le regret de quoi? Regret d'avoir été au camp 113, évidemment oui. À moins d'être le dernier des salauds ou la dernière des brutes, on ne peut pas ne pas garder un souvenir très douloureux d'avoir été pris dans cette situation invraisemblable, insurmontable. Regret d'avoir été aux côtés des Vietnamiens, des colonisés, des peuples de couleur, je dis nettement non. J'en suis fier, et si c'était à refaire, je le referais. Que ce soit bien net. Bon, il avait choisi de passer dans le camp de la résistance vietnamienne. Pierre Brocheux. Il est arrivé là-bas au Vietnam comme enseignant. Il a adhéré tout de suite, d'ailleurs il faut le dire, il partait de France comme communiste, il était communiste. Et donc il est arrivé là-bas, il a pris contact avec... un groupe qui s'appelait le groupe d'études marxistes de Saigon, qui comprenait des gens très bien, hein. Je veux dire, des fonctionnaires français, des profs, il y avait des médecins, il y avait des gens comme ça. Et bon, il a vécu un certain temps donc au Vietnam, la guerre se déroulait vers ce fond de guerre, n'est-ce pas ? Et ce qu'il a, je crois, définitivement, comment dirais-je, incité à partir... l'attitude du corps expéditionnaire, enfin les soldats français, comment il a vu se comporter les légionnaires, etc., y compris vis-à-vis de la population civile, enfin, dans la vie de tous les jours, et puis aussi la mentalité colonialiste aussi qu'il y avait dans la communauté française quand même. Et puis les Vietnamiens ont longtemps admis. Alors il est parti dans la zone, comme on disait, la zone libre, dans les environs de Saigon, où là je crois qu'il a participé
à la radiodiffusion de la voix de la résistance, ou la voix du Nambo, c'est-à-dire le sud du Vietnam. Et puis de là, on lui a demandé de partir vers le nord. Il est parti à pied vers le nord, hein. Il raconte ça d'ailleurs. À ce moment-là, déjà, les Vietnamiens, je crois, avaient fait beaucoup de prisonniers. Ça a été la première bataille, grande bataille de la RC4, où il y a eu des milliers de prisonniers, hein, français qui sont tombés dans les bras, si on peut dire, dans les bras des Vietnamiens, ou sur les bras des Vietnamiens, qui ne savaient qu'en faire. Et c'est à ce moment-là qu'on lui a demandé d'être utile, en quelque sorte, d'être utile en allant parler à ses compatriotes prisonniers. Voilà. Il n'a jamais été un commissaire politique. Les gens qui emploient ce terme-là ne savent pas ce que c'est qu'un commissaire politique dans un régime communiste ou dans un parti communiste. C'est un personnage clé, très important. On ne l'aurait pas confié à un Français, même rallié. On lui avait dit, tu viendras parler à tes compatriotes. Tu les convaincras qu'il faut qu'ils signent des pétitions contre la guerre, pour le retour du corps expéditionnaire en France, etc., etc. Mais je crois qu'il l'a fait parce que c'était un communiste convaincu. C'est un homme de conviction. Moi, je ne vois pas comment on peut reprocher à quelqu'un d'avoir des convictions. D'autant qu'à l'époque, bon, le stalinisme, tout ça, on ne connaissait pas, hein. Khrouchtchev n'avait pas encore fait son rapport au 20e congrès. Toujours est-il qu'il voyait sous ses yeux mourir des hommes, il les voyait dans des conditions de détention effroyables, en violation de toutes les lois de la guerre, quelles que soient ses convictions. Alors, faut-il le croire quand il disait qu'il avait averti plusieurs fois les autorités vietnamiennes? Plusieurs fois aussi, il s'était adressé aux deux délégués du Parti communiste français, qui étaient en quelque sorte des ambassadeurs auprès de la résistance vietnamienne, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a jamais eu de retour. Personnellement, je le crois. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez C'est cela le grand problème de l'affaire Boudarel, c'est comment peut-on Daniel Emery. Accepter de faire de la, des cours politiques à des prisonniers qui sont en situation d'infériorité totale, de résistance quasi nulle. Et je pense que ça correspond aussi au moment où les Vietnamiens sont maintenant dotés de conseillers militaires et politiques chinois qui recommandent de généraliser dans les camps le travail politique chez les prisonniers. Alors les Vietnamiens vont utiliser les prisonniers comme instruments. On va les utiliser pour obtenir d'eux des lettres pour demandant l'arrêt de la guerre, demandant le départ du corps expéditionnaire, demandant, etc., etc. François Godemont, le 20 mars 1991, vous avez publié dans Libération une tribune sur l'affaire Boudarel. Vous dites que Georges Boudarel tenait à son discours et que c'est ce qui rend sa défense maladroite. Je pense que son engagement l'avait dépassé, si vous voulez, et qu'il était devenu le propagandiste manipulé de sa propre foi, si vous voulez, comme ça arrive à tous les combattants de la foi. Il n'a jamais reconnu l'ensemble des faits, si vous voulez. Il a toujours essayé de biaiser sur son propre rôle, ce qui était un petit peu gênant. Mais il faut se souvenir, et j'en ai rencontré d'autres parmi les cautions, si vous voulez, intellectuelles de cette affaire-là, qui estimaient que très globalement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, et que la lutte contre l'anticolonialisme, la lutte contre le colonialisme, pardon, et l'ampleur des crimes de la guerre d'Indochine justifiaient, à contrario, des comportements criminels, qu'il ne fallait pas faire d'angélisme, si vous voulez. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il y avait bien encore deux camps et que ces deux camps n'étaient pas solubles dans la morale. La polémique s'envenime sur l'affaire Boudarel. L'affaire risque d'aller en justice. Les anciens combattants de l'Indochine vont porter plainte, comme le confirme au micro de Marie-Pierre Samitier leur avocat, maître Jean-Marc Varro. Les survivants du camp 113 saisiront la justice d'une plainte depuis que leur bourreau et tortionnaire a été identifié. Il est professeur à Paris 7. Je pense que M. Boudarel pourra opposer. Il a déjà fait la loi d'amnistie. Il dira qu'il est amnistié par une loi de 1962 qui a amnistié tous les crimes et délits commis pendant la guerre d'Indochine et notamment celui de désertion devant l'ennemi.
Mais ce qui n'est pas amnistié, ce qui n'est pas amnistiable, c'est le crime contre l'humanité. Depuis le statut de Nuremberg, depuis le procès de Nuremberg, et nous en avons fait l'expérience avec le procès Barbie, et nous en ferons l'expérience avec le procès de Touvier, le crime contre l'humanité est un crime imprescriptible. Il ne peut pas y avoir d'oubli par la loi avant qu'un criminel de cette nature ait été jugé. Le crime contre l'humanité, c'est le seul créneau juridique qui reste. Alors, on est bien obligé d'y passer. Il faut interroger pour cela notre avocat, qui est maître Jean-Marc Varro. On est bien obligé d'y passer. Oui, mais enfin, on ne peut pas jouer avec le droit. Je répète que si l'université avait fait un geste et que si Boudarel avait exprimé quelques remords, nous n'en serions sans doute pas là. Nous ne sommes pas vindicatifs. Alors, Pierre Vidal-Naquet, sur tous ces points, notamment sur le crime contre l'humanité. Non. Si je prends l'article 6C du statut du tribunal militaire international de Nuremberg, je ne vois pas comment les faits reprochés à Boudarel peuvent entrer dans cette catégorie. Et si on les y fait entrer, alors je regrette, mais il faudra y faire entrer aussi les assassinats de ce type commis par l'armée française et notamment les exécutions de prisonniers de guerre. Parce que dans le camp de Boudarel, la corvée de bois, c'était la corvée de bois. Dans les camps de l'armée française, la corvée de bois, c'était l'exécution. Je n'aime pas beaucoup que vous attaquiez l'armée française. Hein. Vous ne devez pas très bien la connaître. Moi, je la connais depuis longtemps. J'ai commencé en Italie, au débarquement en France, etc., en Indochine. Et après, j'ai un profond respect pour l'armée française. Non, pas moi. Oh, vous avez parfaitement tort. Hein. Qui a quelques brebis galeuses, comme dans toute collectivité, probablement. Mais l'armée française mérite tout le respect de la nation. C'est un peu honteux. Serge Lewisch, vous êtes l'un des avocats de Georges Boudarel. Qu'est-ce qu'on peut dire de la stratégie judiciaire de Jean-Marc Varro qui avait décidé de porter plainte pour crime contre l'humanité pour des faits qui paraissaient amnistiés? Il arrive qu'un avocat, dans ce type d'affaire qui est quand même exceptionnel sur le plan historique en fait, il arrive qu'un avocat engage une procédure en sachant pertinemment qu'il va la perdre. Et ça n'est pas faire injure à Jean-Marc Varro qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui avait écrit un certain nombre de livres, qui était royaliste à ma connaissance et qui était membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, son idée, c'était que même s'il perdait cette procédure au nom de la NAPI, au moins, ça ferait parler de l'affaire pour discréditer Boudarel. C'était ça, leur intention. Il y a eu une chasse à l'homme, effectivement, un lynchage médiatique. Pierre Brocheux. Vous savez que Boudarel, dans la rue, il arrivait que des gens lui crachent dessus, qu'une vieille dame qu'il croisait lui dit « salaud ». Un ouvrier, par exemple, qui passait, qui disait « ah, espèce de salaud, traître », etc. C'est l'époque où le mythe soviétique, le mythe communiste et même le mythe tiers-mondiste est en train de retomber. C'est pas... Et en même temps, c'est le moment où remonte tout le mouvement mémorial. Enfin, le mouvement mémorial émerge avec force. D'abord, bien sûr, pour la Shoah, mais ensuite, pour d'autres raisons, les Arméniens, etc. Et c'est à l'époque où on retrouve Papon, on retrouve, le milicien, Touvier, etc. Alors, vous comprenez, on comprenait aussi pourquoi est-ce que les anciens prisonniers, enfin l'association des anciens prisonniers, trouve là une excellente occasion de tomber sur Boudarel. C'est pas pour rien quand même que les avocats de la NAPI invoquent le crime contre l'humanité, contre Boudarel. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Maître Serge Lewisch, il y avait les procès Touvier, Papon surtout, qui avaient été récupérés par les gaullistes, puisqu'il avait même eu un poste très très important dans l'appareil d'État gaulliste. Et donc, comme effectivement il y avait ces procès qui se profilaient, qui étaient des procès historiques extrêmement importants, beaucoup de gens se sont inquiétés en se disant ça va faire beaucoup, Bousquet, Papon, Touvier, il faudrait peut-être trouver quelque chose d'équivalent à gauche ou à l'extrême gauche, pour dire qu'il n'y a pas que la Deuxième Guerre mondiale où des Français ont commis quelques crimes, mais il y a aussi du côté communiste des gens qui se sont mal conduits. Donc il cherchait désespérément une tête de turc, entre guillemets, et puis c'est tombé sur Boudarel. Mais Boudarel, d'ailleurs, n'était pas le seul dans son cas. Il y a un certain nombre de Français communistes à l'époque qui ont déserté au moment de la guerre du Vietnam, et aussi d'ailleurs au moment de la guerre d'Algérie, qui sont passés dans le camp adverse. Mais lui, effectivement, présentait un profil très particulier.
Rebondissement dans l'affaire Boudarel, l'ancien tortionnaire des camps de prisonniers d'Indochine reconverti dans l'enseignement. Journal de France Inter, 13 septembre 1991. Un juge d'instruction du tribunal de Paris déclare que les faits reprochés à Georges Boudarel ne sont pas couverts par l'amnistie et qu'il y a lieu d'instruire son dossier pour crime contre l'humanité. Le parquet de Paris n'est pas du tout de cet avis. On trouve toujours dans une affaire de ce type un juge d'instruction qui imagine le droit d'une autre manière que celle qui est écrite dans les codes. Et donc ensuite, la chambre d'instruction, puis la cour de cassation, on rétablit le droit. C'est-à-dire il y avait à la fois un problème de prescription et un problème d'amnistie. Prisonnier de Boudarel, maître Jean-Marc Varro se félicite de l'événement au micro de Sophie Bécherel. C'est une très grande nouvelle. D'abord pour les 40 survivants du camp 113, qui savent que leur malheur va faire l'objet d'une instruction. Mais c'est également une très grande nouvelle judiciaire, puisque c'est le premier des procès des criminels de guerre et des crimes contre l'humanité du communisme qui commence. Le communisme n'est donc plus une idée comme une autre, c'est, au sens de la définition du crime contre l'humanité, une hégémonie idéologique. C'est donc un événement dans le monde, il est heureux que le Nuremberg du communisme commence par la France. Général Simon, quel était votre but en mettant ainsi publiquement en accusation Georges Boudarel, à vous les anciens d'Indochine? Nous savions que tous les anciens prisonniers, qui étaient très malheureux, vivaient chacun dans leur coin, sans grande puissance et avec simplement l'envie de supprimer les méchants qui avaient gâché leur vie. Alors ça nous a paru une excellente occasion pour remonter le moral des anciens prisonniers d'Indochine, de manière à ce qu'ils sentent qu'ils étaient réhabilités. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Nous avons obtenu que le ministre Jospin, qui était ministre d'Éducation nationale, mette Boudarel à la retraite, à sa limite d'âge. Ça a l'air idiot de dire ça, mais dans l'Éducation nationale, on n'est pas forcément à la retraite à sa limite d'âge, hein, parce qu'il faut terminer l'année scolaire. Alors Boudarel était né le 21 décembre, il a été à la retraite le 21 décembre. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est quand même une victoire importante, signé Jospin. Il y a eu aussi, il faut le dire, une agitation du côté des professeurs de gauche pour soutenir Boudarel, en disant « il est amnistié, pourquoi parlons-nous de ça ?» Et d'ailleurs, il n'y a pas de preuves. Et j'ai dans mes archives une liste de personnalités intéressantes, si on peut dire, qui ont signé en faveur de Boudarel. Malgré la fossilisation de la faucille et du marteau, comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé à Moscou, le Parti communiste français fait la bringue à la Courneuve, ouverture de la traditionnelle fête de l'UMA, 65e du nom. Paradoxalement, on va peut-être y battre des records d'affluence, les uns venant pour soutenir Marchais, les autres pour apercevoir une espèce politique en voie de disparition. Le communisme, et en particulier son avatar vietnamien, ont perdu toute capacité d'adhésion collective. Daniel Emery. Le Vietnam était resté la dernière espérance, si vous voulez, dans la gauche occidentale. Et avec l'exode des Boat People, tout cela s'est effondré. Et l'assaut de la droite extrême prend à revers. Voici la gauche sommée de se défendre, de se justifier. Alors il y a eu des gros débats. Il y a eu en gros deux positions. Simple soutien ou bien mise à plat de l'ensemble des problèmes soulevés par l'affaire. Nous avons été quelques-uns à proposer que le comité de défense essaye de lancer un débat public sur les enjeux de cette affaire, sur toutes ses dimensions, hein, y compris sur tout ce qui s'était passé au camp 113 et dans les autres camps, et sur ce que j'appellerais la politique de captivité des camps en présence des communistes vietnamiens, mais aussi des Français, et sur les dimensions politiques, historiques et éthiques du soutien par la gauche des pays occidentaux aux révolutions de ce qu'on appelait le tiers-monde à l'époque. On dit aujourd'hui les pays du Sud. Et sur nos propres responsabilités, on est resté sur un point de vue protestataire, anticolonial, etc. Mais le débat n'a pas été ouvert. Voilà. L'affaire, c'est un chassé-croisé de vérités partielles, d'outrances et de mensonges, et de non-dits surtout. D'un côté, c'est vrai, il y avait Georges Boudarel, petit frère des pauvres en quelque sorte. François Godemont.
provincial d'une tradition catholique assez stricte, découvrant à la fois l'Indochine et l'injustice. Petit professeur à Saïgon sous l'emprise du marxisme, décidant sur un coup de tête de traverser les lignes et rejoindre le Viet Minh, c'est pas tout à fait une désertion, ça n'est pas une désertion, il n'était pas un soldat, devenant là-bas un expert, entre guillemets, essentiellement pour sa connaissance de la langue, et malheureusement pour lui, franchissant cette fois-ci la ligne rouge, en devenant instructeur, pédagogue, peut-être commissaire politique dans un camp de prisonniers de guerre français. Là, le petit moine se métamorphose évidemment en bourreau intellectuel de prisonniers qui sont obligés d'entendre ces homélies. Voilà sa faute, elle est assez grande, mais ça n'est même pas tout à fait un crime de guerre, ça n'est certainement pas un crime contre l'humanité, indépendamment même de l'amnistie, il y a prescription pour ce type de délit, mais certains vétérans de la lutte anticoloniale qui avaient cautionné ce genre d'engagement savaient se faire discret et ne voulaient pas reconnaître non plus, si vous voulez, que Boudarel avait largement franchi la limite en contribuant à humilier des prisonniers de sa propre patrie. De l'autre sens, les soldats, les vrais soldats, ceux qui ont fait la guerre de Chine et qui sont actifs dans des associations, ne veulent évidemment pas entendre parler du bilan de leur côté, c'est-à-dire des crimes de guerre qui ont pu être commis. Voilà, ce que j'ai écrit à l'époque, c'était pour mettre en balance la culpabilité de quelqu'un qui n'était pas tout à fait innocent, mais dont le crime était un crime d'intellect, si vous voulez, et qui était de toute façon prescrit, et l'histoire générale de la colonisation qui abondait en crimes. Il a regretté beaucoup son passé, il l'a dit. Hein. Il a dit, j'ai regretté profondément ce que j'ai collaboré. Il avait abandonné complètement le communisme. Il me disait toujours, moi je suis un social-démocrate maintenant. Ou un libéral, il me disait, je suis un libéral. Je pense qu'il a servi un petit peu de bouc émissaire, si vous voulez, dans ce combat qu'on se livre en France entre le politiquement correct d'un côté, c'est-à-dire rompre avec l'époque de la colonisation et abjurer les crimes coloniaux, la repentance, si vous voulez, et de l'autre côté, le sursaut nationaliste et l'enfermement dans la fidélité à des combats, sans vouloir prendre distance avec ces combats. On ne peut peut-être pas demander aux participants eux-mêmes de prendre une distance, mais on pouvait peut-être demander à la presse, au public, 50 ans après les fêtes, de relativiser et de mettre en perspective les choses. Après quelques péripéties judiciaires, un non-lieu définitif a été prononcé en 1997. Georges Boudarel est mort en 2003. C'était Boudarel devant l'histoire, l'inventaire impossible, un documentaire de Séverine Nickel. Merci à Pierre Brocheux, Daniel Emery, François Godemant, Serge Lewisch, Guy Simon, Vladislas Sobanski et Pierre-Alban Thomas. Mixage Pierrick Charles. Réalisation, Renaud Dalmar.